Les différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire ont fragilisé le tissu social à Guessabo, sous-préfecture située dans le département de Zoukougbe, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Une situation qui a mis à mal la cohésion sociale et la paix qui régnait entre les différents peuples vivant dans cette région. Aujourd'hui, pour ces populations, une nouvelle page s'ouvre, celle de l'unité, de la solidarité, de la culture des valeurs républicaines. Les différentes communautés s'engagent à faire du vivre ensemble une réalité afin d'éloigner la pauvreté de leur quotidien. Les populations ont également fait des doléances, notamment le renforcement du système électrique et la construction d'infrastructures socio-économiques, dont un château d'eau et un collège. Le ministre d'État, ministre du Plein Développement, par ailleurs parrain de la cérémonie, a rassuré l'assistance de la volonté de l'État de Côte d'Ivoire à assister toute la population. Mais il faut, selon lui, connaître le nombre exact des populations vivant dans chaque région. C'est pourquoi il invite la population à se faire recenser. Sur quels critères le gouvernement s'appuie pour sélectionner le village qui doit bénéficier d'une maternité? Eh bien, c'est quand on essaie de voir combien de jeunes femmes il y a dans le village susceptibles de faire des enfants. Donc on se dit, si on ne donne pas la maternité, elles vont souffrir en allant ailleurs, ou elles n'iront même pas faire la consultation prénatale. Et c'est comme ça qu'on donne une maternité. Mais là aussi, il faut connaître le nombre des jeunes femmes en âge de procréer. Message bien apprécié par les chefs de communauté. Tous nos jeunes sont dans la forêt classée et puis dans les miniers aussi. C'est ça qui est notre problème ici. Sinon, nous, chaque fois, on les dit de recenser. On les transmet toujours à ce qu'ils viennent, c'est ça que je sensais. Après la rencontre publique, le ministre a mis le cap sur des villages et campements pour sensibiliser la population sur l'importance de cette opération qui devrait leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie.